Bonjour et bienvenue pour une nouvelle pause poème. Aujourd'hui, je vais vous faire entendre la poésie de Mary Robert Court, une poétesse américaine qui a appartenu au mouvement de la Beat Generation. Malheureusement, je ne vous lirai pas le texte dans sa version originale à cause de mon terrible accent anglais, mais je vous le ferai parvenir dans sa traduction française. Oui, il y avait des femmes parmi les artistes de la Beat Generation. Et des poétesses. Dans leurs poèmes, elles parlent du quotidien, dans sa dimension la plus fantastique, de la jeunesse désœuvrée, qui cherche comment vivre, comment être, et puis du lien avec le monde, de plus en plus globalisé, où il est de plus en plus difficile de trouver sa place. Et puis d'amour, bien sûr, faites l'amour, pas la guerre. Je vais vous lire le poème intitulé « The Room Within », traduit par « La pièce intérieure ». Vous pourrez trouver ce poème dans l'excellente anthologie « Beat Attitude, femme poète de la Beat Generation », une anthologie établie par Annalisa Marie Pegroum et Sébastien Gavinet, publiée aux éditions Bruno Doucet. Voici donc ce poème. La pièce intérieure. Cette pièce qui se trouve en moi aspire à la lumière. Une coulée de fleurs que je tire de toi. Une projection de prismes et des bougies qui transpercent les murs. Érigée de mes mains, maintenue dans la peur qu'à présent, tu portes à la terre riche et vive à ma porte, dégageant les vieilles plantes grimpantes. De ma maison soignée d'où, en ce lieu de raison, nous chanterons la danse imposée en dansant à travers les hiéroglyphes rituels de la passion. Quand nous nous animerons, comme le font les gens, avec détermination, ce sera pour déconstruire cette pièce pierre par pierre, nous installer dehors et nous accoupler au soleil. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et prenez soin d'un de vous. À bientôt pour une nouvelle pause poème.